Bonjour à tous et bienvenue dans En Résumé, le podcast de la médiathèque de Holzheim qui vous parle de nos coups de cœur culturels du moment. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler du dernier roman de Delphine de Vigan sorti chez Gallimard, Les enfants sont rois. Elle s'attaque dans celui-ci à un sujet de société assez méconnu, les enfants stars des réseaux sociaux. Ces enfants dont les parents les filment en train de déballer des jouets, de manger des sucreries, de boire toutes sortes de sodas, etc., etc. Derrière ces vidéos se cache un business des plus lucratifs pour les parents. Chacune d'entre elles cumule plusieurs millions de vues et constitue une importante source de revenus. Ce que dénonce Delphine de Vigan dans son roman, c'est ce business qui transforme les enfants en véritables cash machines. Jusqu'où l'appât du gain peut pousser les parents à vendre l'image de leurs enfants. Et ces derniers, qu'en pensent-ils réellement? Ou plutôt, qu'en penseront-ils dans quelques années, une fois devenus suffisamment grands et matures? À travers l'histoire de Mélanie et Clara, deux femmes que tout oppose, on plonge dans les méandres d'une société où les frontières entre vie privée et vie publique deviennent de plus en plus floues. Un roman terrifiant mais nécessaire qui met en lumière les pratiques de certains parents. Des pratiques qui aujourd'hui ne soulèvent pas plus de questions que ça, mais qui pourraient très bien se transformer en une véritable bombe dans quelques années, dont les premières victimes seront les enfants d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de En Résumé. Si le livre que nous venons de vous présenter vous intéresse, n'hésitez pas à venir l'emprunter chez nous. À très bientôt pour un nouveau coup de cœur à partager. Thank you.